je suis Sylvie Jean, responsable Afrique du Parti communiste français. Et je viens ici présenter la commission d'enquête pour demander justice pour Thomas Sankara au nom du Front de Gauche, puisque cette commission d'enquête et la lutte que nous menons est inscrite dans le programme qui se résume ici en deux mots. L'humain d'abord s'inscrit dans le programme pour travailler à d'autres relations entre la France et l'Afrique. En fait, cette commission d'enquête a été déposée par le Front de Gauche ce mois d'octobre. Elle l'avait déjà été l'an dernier par un autre groupe qui est le groupe des Verts et qui soutient à nouveau cette démarche. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous disons que pour mettre en œuvre une politique de rupture avec la France-Afrique, cela passe par regarder son histoire en face. Et dans cette histoire, il y a, nous pensons, de façon probable, l'implication de la France. Mais nous devons, pour le savoir, pour avoir la vérité, savoir exactement ce qui s'est passé. Il faut mener une enquête au plus haut niveau, dans les meilleures conditions. Voilà le travail qu'on a fait. Maintenant, on entre dans une deuxième étape, à la fois le soutien du plus grand nombre de députés pour que, au sein de la Commission des affaires étrangères, cette demande d'enquête soit retenue. Pour cela aussi, nous avons besoin du soutien des députés burkinabés qui veulent obtenir vérité et justice pour que nous travaillions ensemble. C'est ce que nous allons faire dorénavant. Et je disais que, bien sûr, ce n'est pas seulement une question de justice pour Sankara, pour le peuple burkinabé, c'est aussi une question de dignité pour la France, puisque notre passé doit être connu, analysé, pour tirer les enseignements et pour construire des rapports nouveaux. Tant que nous ne ferons pas ça, nous ne pourrons pas nous inscrire pleinement, de notre point de vue, dans des rapports nouveaux. Donc ça passe par la vérité, la justice pour Thomas Sankara, pour sa famille, pour le peuple burkinabé et pour nous-mêmes, la France, pour notre dignité à nous aussi. Voilà.